Rappelez-moi, le président Jovenel Moïse te déclaré dans une émission. Moi, pas là pour me bailler sécurité. Directeur général de la police, là. Chef CSPN, là, la, pour yo bailler sécurité. Mesdames et messieurs, pendant nous comptons, nous prenons un mouille, Timakak mourit. Mais est-ce que nous oublions, depuis passé 10 000 Timakak que politiciens haïtiens tapent élevé en cachette. Timakak sa yon le yon rive dans yon l'âge qui pral empêche nous vivre dans le pays d'Haïti. Timakak sa yon qui pral ba nous bout de terrain en de propre la caille nous. Actuellement dans le pays d'Haïti, nous perdons savoir-faire que nous avons gagné en matière de sécurité. Côté tout ça, nous avons besoin qui est capable d'aider nous, c'est une aide internationale. Si nous n'avons pas de militaires sous sol, là, nous ne sentons pas bien. Depuis 1994, arrivé dans l'année 2015, nous toujours remettons tout espoir nous ensemble avec des militaires étrangers qui sont capables de résoudre la crise insécurité que le pays d'Haïti a fait face ensemble avec l'IA. Puisque l'État haïtien pas qu'on jamais décidé prendre responsabilité. Mesdames et messieurs, je nous tous connaissons déjà, oui. Timakak mouri. Nous mettons des parler en pile par-ci et par-là. Oui, Timakak mouri dans le moment. N'a pas parlé à la qui donc, lui Abinader n'a pas besoin d'inquiéter pour Timakak qui pral rentrer sous sol République Dominicaine. Mesdames et messieurs, question sécurité en de pays d'Haïti, c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, mais c'est un problème qui date depuis diverses années déjà. Et nous t'es même relé, président Jovenel Moïse, dictateur, l'elle t'a imposé des sanctions, on dit des lois à faire pour nous capables de gérer la crise que nous avons fait face ensemble avec les jeunes jeudi à la qui débordait dans nous. C'est ça que fait, je ne jeudi à la, nous pourrons parler de questions sécurité avec président Jovenel Moïse. Nous prenons songer que Jean Jovenel Moïse même les autres accusé pour massacre, les autres accusé déjà la police là pas de jambe travail. Nous prenons de qui réponse Jovenel Moïse même l'été bail et sous question consensus en de pays ça que n'a cherché depuis plus passé 21 mois. Nous prenons de pour qui raison exactement consensus ça pas tap capable fait ensemble avec gouvernement Jovenel Moïse là. Puis devant mesdames et messieurs, nous avons POHDH ensemble avec ECC qui défendent Pierre Espérance devant Luis Abinader et mandé pour lui bail évidence, pour lui bail preuve sous sanction sa yo que t'a prend contre chef réseau qui a défendu droit moun en de pays à RNDDH Pierre Espérance ensemble, nous pral connaître exactement qui ça yo écrit Luis Abinader. Puis devant mesdames et messieurs, attaque a continué dans Pétionville côté délégué départemental de l'Ouest là, Pierre-Marie Bernadotte t'a arrivé victime en bas attaque bandit. Ensemble, nous pral connait qui j'en situation lui-même. L'étape déroulée. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur plateforme Paola. Nos pam, c'est Fabiola Jean-Charles et c'est un plaisir pour me rentrer la caille ou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invitez yon moun qui dans entourage ou abonnez ensemble avec plateforme si là afin plus capable de connecter à bon information. Jeudi à ce samedi 22 avril 2023, nous toutes comprenons là déjà, si n'a conduit pas boire, si n'a boire pas conduit, week-end sa belle, mais notre week-end a plus belle toujours, à tes pays d'Haïti piégé, c'est nous-mêmes qui gagnons responsabilité pour nous protéger tête nous, personne pas vin faire pour nous. Depuis le commencement semaine, Guillaume Brick a couru Timakak qui prend balle et Timakak mourit. Gen yon paquet journaliste sou rezoa ki t'a pote démenti ensemble avec information ça alors que Timakak lui-même li te bel et bien rejoigne baron ensemble avec grande Brigitte et gon paquet l'autre bandit qui arrivé tomber nan même attaque si là que Timakak lui-même li t'a fait sou yon habitation notable nan zone Pétionville ou met tande
Ou capable rele tête ou met pays ou met tande ou capable faire et de faire gon côté ou ap rentré m'garantou ou pas capable sorti et l'aime li prophète te déclaré nous supposé protéger tête nous contre zak banditis et mais notable ça lui-même li te connaît exactement qui ça lui-même li t'a fait. Pendant que Timakak te continue à faire des blousailles, ensemble avec Iso Village de Dieu, dans la boule 12, mesdames et messieurs, vite l'homme innocent à travers crasé barrière, tap crasé barrière, dans Pétionville de façon vraiment sérieuse. Et m'a posé cette question, qui est-ce capable de stopper vite l'homme innocent? Qui est-ce capable d'empêcher vite l'homme innocent lui-même, lui va aller terrain, je la fais en dans pays d'Haïti? Est-ce que nous connaissons qui ça qui passait Delma 33, Delma 53, ailleurs 21 avril 2023? Dans Delma 33, mesdames et messieurs, yon mette 5 jeunes garçons et jeunes femmes campés sous en ligne. Nous gâte film Alléluia. Non, et pas Alléluia. Alléluia. Chomeko. Dans Chomeko, nous rappelons nous les nono. À Kasayol, t'as cherché job. Non, commissariat, yo te dit job ça, c'est retirer gilet, mesurer gilet, comme ça job la te, et pourtant yo plaque Naomi, y a tiré sous papa c'est ou bon sous mourir tout, yo tout jeté cadavre. Et mais c'est ça yo t'a fait dans Delma 33 ailleurs mesdames et messieurs. Yo mette 5 jeunes garçons ak jeunes femmes campé en ligne, yo fin tiré yo après ça, yo mette 10 fait sous cadavre yo. Dans Delma 53, gagne environ 3 moun qui tombé en babal bandi. Et tout ça nous compte qui groupe armé qui a fait des gars ça yo, li pa l'autre que groupe armé. Mais crasé barrière qui a dirigé par le puissant chef de gang parce que nous capable reler le comme ça dans moment ça n'a pas lié à là vite l'homme innocent. Vite l'homme innocent gagne toute cationnette en général dans mel. Vite l'homme innocent gagne Ariel Henry dans poche, vite l'homme innocent gagne France Elbe dans poche. Donc ça veut dire au commandement la police là dans mel, li go parti dans opposition. Donc nous capable réaliser que ce pays dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement, pas seulement yon l'en fait, mais pays ça, son pays. Yo supposé prendre, yo chavirel, yo chamboulel, yo bouleversel, et puis yo dit, ok, kounya la, m'bral mette chaque grain de moun nan place yo. Si nous pas fait ça, m'garanti nous, pita va pitris pour nous. Et nous kon sa ki di yon, à chaque fois qu'on dit chanle bato, et mais, toujours le même refrain. Oh oui, nous prenons l'attaquer en force. Oui, nous prenons le camper goumé. Oui, bandit prend le perdre la vie. Pas de prison pour bandit. De boukebel tout éliminer. Nous rappelons-nous. Nous rappelons-nous discours Léon Chol. Et mais si nous rappelons-nous discours ancien de la police, Léon Chol, qui fait plus passer 6 mois, l'a fait promesse parce qu'elle prend le craser groupe armé, bon fait un rappel pour nous, parce qu'elle est vraiment important pour nous capables de songer qui côté nous sortir ensemble avec pays ça et qui côté nous y est actuellement ensemble avec lui. Mesdames et messieurs, Léon Charles. M'a dit tout simplement à tout policier, moment c'est goumen lié. Bandi prend possible, bandi a attaqué commissariat, bandi a boulé policier. Hier, des bandits tiré son patrouille, la police, Simo, ils ont engagé tir avec eux. Ils ont assassiné, ils ont tiré un policier qui prend balle dans la tête. PNH, c'est Goumen lié. Leur seule stratégie de guerre, c'est Goumen contre bandit. Bandit qui fait vivre, à voler, à kidnapper, à harceler, à semer deuil, à désolation de la population. PNH, c'est Goumen lié. Mettre pied la tête. Pour une fois pour toutes, nous faisons bandit qu'on est, nous pas cabrit.
nous remettre, nous force la loi dans même. Nous dans bataille, nous avons la loi dans nous. Nous avons une mission pour nous exécuter, pour nous accomplir. C'est bailler tête nos sécurité, pour nous bailler population sécurité, pour nous croire bandit. Yo ka frappé une fois, yo ka frappé deux fois. Nous-mêmes, en nous présent dans le commissariat, nous, en nous été en état d'alerte, en nous mettez tout ça en pour nous renforcer le commissariat. Nous en bas la ville, nous avons frappé sur l'aéroport, la police a frappé. Nous pas frappé seulement, nous allons le chercher. Nous attaqué le commissariat. La Saline n'a poussé pour nous pour faire bataille. Et bataille a fait sur tout le territoire. Une seule stratégie la police a gagné, c'est goumen contre bandit, contre vacabon. Ils ont choisi pour vivre 2-3 ans. Ils ont pris sur un dernier mois, un dernier jour. Et seule façon pour nous finir avec le phénomène ça, c'est mettre pied à terre. Manger les âmes, organiser patrouille nous, demander population, le fait de demander population accompagner nous, parce que nous ne sommes pas sortis, j'aime dire, dans l'autre planète, policiers, c'est frères, nous, amis, nous, camarades, nous, bandits, c'est ennemis, nous. Il n'y a pas attaqué, il n'y a pas de réponse, il y a un petit temps. Mais nous mobiliser jusqu'à ce que les bandits comprennent. Il faut que l'exaction finisse. Et l'app fini, le nous finit par arriver, stopper. C'est Goumelier, c'est bataille, nous battons ensemble pour la population en sécurité. Merci. Moment, c'est des moments que les Goumel que le teye. Ah oui! Trois policiers tombés en bas le bandit. Yo saccagé trois commissariats. Moment, c'est moment pour nous capables de montrer bandit qui est-ce qui a dirigé le pays d'Haïti. Plus de 2 années plus tard, nous avons le même discours sans jamais poser aucune action. Nous toujours été dans même petit coquille que nous te gagnons. Comme si nous pas capable désobéir patron nous. Tout autant patron nous, pas passer nous l'ordre, nous pas faire quoi que ce soit. Et nous qui doit saisir, tant d'entendre Ariel Henry chef CSPN. Ouais, ça, c'est tant d'entendre. Tant d'entendre que Emily Prophète, c'est chef direct de la police nationale d'Haïti. Pas de bagay comme ça. Tout moun sa yo, c'est pas en bas yo ye, yo gen yon grand boss qui chita sous tête yo, qui a dicté yo, mais qui j'a pour quitter population à mourir, mais qui l'a pour capable régulariser situation. Je ne jodi a la, nous capable senti que peuple haïtien lui-même, li pas capable encore. Moi me rappelle, Jovenel Moïse te dit, peuple là mes amis, gen yon kwad de koul, l'angli de yo, la tout fait, faut tout capable quitter respirer de ces records là dans coup peuple là. Je ne jodi à là, mais qui côté nous est exactement. Et mais mesdames et messieurs, il est vraiment important pour nous capables songer. Parce que dans moment ça, nous pas de bon connaissance sous nous pour nous être capable comprendre déclaration ça yo. Dans moment ça, nous t'es aveuglé par yon soi-disant idéologie que l'opposition t'est imprégné dans nous. Quand PDR barricade nous, c'est lui-même qui a venu nous. Nous pas capable de comprendre déclaration Jovenel Moïse. Nous pas capable de comprendre qui travaille que Jovenel Moïse lui-même lui t'a fait. Je dis à la barricade yo invisible. Barricade yo invisible, pas de gros bout tronc bois dans la rue, pas de caoutchouc à bouler dans la rue, pas de feuille bois dans la rue, pas de l'huile que sénateur a vidé sous route dans la rue, mais barricade yo visible, barricade insécurité, barricade l'éducation, barricade infrastructure, barricade alimentaire. Barricade de la santé, barricade de la kilti, mais yon tout devant nous, nous pas capable de traverser, alors que pas de côté qui barre sous route là. Pas de côté qui barre sous route là.
Dans l'année 2020, président Jovenel Moïse a participé à l'émission Le Point sous Radio-Télévision Métropole. Et dans l'émission, il a gagné la question de l'insécurité. T'as gagné la question du kidnapping. T'as gagné la question, mesdames et messieurs, sur ça qui gagne ah ouais, avec divers citoyens qui ont mouru par plusieurs, par dizaines, dans chaque zone dans le pays d'Haïti. Eh bien, là, on te pose président question, on te dit, c'est lui-même qui empêche le travail à faire correctement. Eh bien, nous prenons le temps de qui déclaration président Jovenel Moïse même lui te fait. Ou posez une question pour dire encore, confiance moi, je dis, je gagne un niveau directeur général. Par rapport à certains faits. Ah, mais c'est sûr, parce que, en fait, si confiance, c'est pour me répondre, si confiance pas de gagne, normalement, son arrêté que tu as sorti, nous mettons l'autre directeur. Mais la question, c'est comment pouvez-vous vous avoir confiance en un directeur qui donne si peu de résultats? C'est ça la chose. Mais attends, est-ce que quelque part, pas gagné, on manque de volonté politique pour que la police fasse travailler? Manque de volonté politique. La police, dans le budget national, pas un pourcentage là, c'est pour regarder quelle quantité cob que la population a dans la taxe avec un pôle que le pays policier. Il faut comprendre que chaque policier, c'est moi, il dit qu'il est là pour protéger et ses vies. Ça veut dire en fait, son pays côté, moi-même comme président, qui est là pour me garantir une bonne marche institution, pas oublier. Institution qui l'a pour faire travailler, les supposés mettre en situation, ça veut dire créer cohésion, créer synergie à l'intérieur de l'institution. Parce que l'on parle de un directeur général. On dit par exemple, ça arrive que demain, si je veux directeur général, là, c'est pas lui qui est directeur général encore. Parce que ça arrive que nous, moi, je ne dois pas le directeur général encore. Après-midi, il n'y a pas de directeur général encore. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est pour nous aller, pour, ça veut dire staff, moun, ça, parce que l'on a parlé de directeur général, pour comprendre ça. Pour comprendre que il n'y a aucune tolérance au plus haut niveau de l'État, ou bien aucune volonté politique, qu'on se dit là, au plus haut niveau de l'État, pour problème insécurité pays à pas résoudre. C'est pour nous prendre chaque bagarre dans le contexte de leur. Non, mais le mot. Monter directeur général en août, pour arriver en février, nous tous te connaissons qui s'est passé dans le pays. Ça veut dire pas que personne. Nous tous, ça veut dire, ou même je dis à ces journalistes, nous connaissons, je ne vais pas dédouaner ni défendre personne. Moi, là seulement pour demander, je ne vais pas demander, non, mille, fais travailler, et le mandat, je ne vais pas là pour diriger la police, pour me passer l'ordre. Mais en tant que garant de la bonne marche des institutions, la police nationale, c'est une institution d'État qui a pour responsable sécurité du pays. Moi, Mandel, pour le faire travailler. Donc, vous pouvez fatiguer que la police continue à kidnapper le monde, que le barbecue continue à faire la terreur. Vous pouvez fatiguer dans le niveau pour réagir. Vous dites, je ne peux pas fatiguer, ça veut dire que je ne parle pas de kidnapping qui a fait dans le pays. Depuis le premier jour, le kidnapping a commencé à faire dans le pays. Nous sommes un jour où il y a eu une réaction qui a été faite. Nous avons même mis des zones côté kidnapping, ça a fait là. Ok? Non situation, côté où tu es obligé de demander, ok? Pour y venir libérer. Nous sommes un jour, tu es où tu es. C'est bicentenaire. Ah ben voilà. Ça veut dire pour me dire que nous ne traitons pas les bras croisés. Je veux dire, où il y a un autre phénomène qui recommence dans l'autre zone. On dit de le kidnapping qui a commencé parce que nous sommes tout. Le. Déclaration politique qui était faite dans le mois de janvier, tout le monde dit que vous allez battre l'autre gens, tout le monde dit ouais, réaction. Le kidnapping a dérapé, sans frein. Jusqu'à ce que, à partir de février, il y a des décisions qui prennent, et puis, ils ont contenu. Maintenant, ils ont commencé dans l'autre zone. Ou dites-moi si je ne pas bouquet, moins bouquet de toute bagaille qui n'est pas fait bien en dans le pays. Et c'est pour ça. Il y a des domaines, le même moi qui aime bien la force, parce que je connais comme président, moi là, pour me faire institution, travail pour le bien-être collectif. Qu'est-ce que vous êtes des lâches? Qui s'en a prêté, n'a prêté lâche? Président Jovenel Moïse assassiné. Tout le monde net besoin d'un accord politique pour être capable de signer.
tout moun net besoin yon consensus. Eh bien, mais pour qui raison exactement? Pour voir Jovenel Moïse là, pas tap capable faire consensus ça que tout moun te besoin. Gon changement ou besoin faire dans yon pays, question consensus là, faut qu'ou capable repenser à deux fois. Ensemble, on suive pour qui ça exactement? Question consensus ça, pas tap capable marcher. Épreuve là, en est bien grande actuellement na vive en Haïti là. Les mains invisibles qui dirigent ce pays par derrière, tout le monde y a vienne devant. Gapil nan yo qui vienne devant, mais c'est pas tout. Faut tout vienne devant. Gapil nan yo pendant m'a faire réforme yo qui paraît tête yo pour vienne défendre tête yo. Mais gapil tout crété derrière. Ces mains invisibles qui dirige le pays ça depuis, je dirais, d'antan, depuis la mort de Dessalines, pour je dis, faut tout mettre invisible ça, il vient devant, parce que réforme m'a fait, parce que le président Jovenel Moïse, dans tout ça qu'il fait, nous toujours chercher consensus, mais réforme moi, il pas gagné consensus. Mais si non, pas gagné consensus dans réforme. Non, mais réforme pas gagné consensus. On dit que le pays a dépensé 20,8 millions de dollars par mois pour blackout. Jodi a décidé dit faut mettre lumière là-dedans mais côté lumière arrivé on vient de dépenser 6 millions de dollars seulement rete 14 800 000 dollars on pas gagne consensus dans ça on dit que dans 13 mois bon groupe monde qui fait 300 millions de dollars dans importation produits pétroliers moi campé me dit non OK qu'on y a l'état prend charge nous montons commission commission bail un résultat résultat dit que jodi a l'état m'pavlo ou c'est pas intermédiaire encore moi voulais qu'on commande direct. Ça veut dire tout le monde qui a la distribution pour du pétrolier, on dit qu'il y a 5 entreprises en tout, il y a un commande, l'État lui même cherche qui met le prix pour le peuple là, pour le ralon souffle. Je vous dis ça qui passe. Loi 1900, mars 1995 ans, qui n'a jamais été appliquée depuis 25 ans. Hein. Comment le faire, il n'y a pas appliqué, je vous dis. C'est parce que je vous dis, on a un frein qui dit que non, les gaz à vendre 10 gouttes, les supposés refléter prix 10 gouttes de livre. Maintenant, je dis, réforme ça, pour me finir. Réforme ça, c'est des réformes qui sont difficiles en pile. Et il ne faut pas oublier, il y a ce qu'on appelle, il y a un chevauchement. Parfois, il y a des collusions. Même avec le pouvoir, hein, comme je vous dis, il y a des collusions entre des intérêts, de gros intérêts, et des acteurs. Je dis, en fait, clair pour nous dire que pour le peuple, comprendre ça très bien. Haïtiens, nation. Pour le comprendre que je dis, moi-même, moins campé, mordicus sous des réformes, et moins mandé dialogue à consensus. Ça veut dire, et réformes, yo obligatoire. Oui, mais monsieur le président, justement, le fait même que vous campez sous ça, yo, et que sous ça, vous ne pouvez pas transiger, Livin baille des difficultés à l'autre ça pour prendre ce dialogue là ou pas qu'à faire tous les deux ensemble. Mais attends mais alors on font campagne, moi dit peuple là que me connait comment pour me clairer pour me balle lumière, on va le transiger sur ça. Moi rivé me joindre un groupe monde d'ailleurs vous bien quoi bio faire soit faire gaz là, jodi les publics, le ministre finance te camper parler de bénéfices induits de quoi on parle. Tout monde Kounya là parlem de consensus 21 décembre 2022. Parlem exactement qui côté consensus ça li même la mené nous en de pays ya. Yo consensus qui mettait sous pied yon conseil yon conseil transition, moi qui dit conseil électoral provisoire. Ça c'est pour bientôt. Et mais conseil transition ça installé depuis 6 février. 6 février, 6 mars, un mois. 6 avril, deux mois, 16 jours, mesdames et messieurs, depuis conseil transition, ça mettait sous pied, côté jusqu'à présent pour qu'on ait résultat. 2 mois, 16 jours, depuis pour qu'on ait aucune communication qui fait ensemble avec le peuple. Qui ça qui a passé exactement? Qui décision qui prend? Qui route nous décide de faire? Qui fait de route exactement nous gagnons? Mais nous. Je rappelle que nous faisons comprendre que le consensus qui aboutit avec transition après le travail sur le conseil électoral provisoire, après le travail sur la sécurité dans le pays d'Haïti, après le travail sur le référendum constitutionnel. Oui, parce que nous avons une opportunité pour nous capables de changer la constitution en faveur nous.
nous gagnons opportunité pour nous capable faire peuple à gober n'importe ça nous voulons à travers constitution. Parce que me rappelle nous dit un Jovenel Moïse pas capable faire constitution parce que pas gagner chambre des députés. Te rete seulement chambre sénat. Là, c'était un obstacle critère pour Jovenel Moïse. Me rappelle nous dit que Jovenel Moïse pas capable faire constitution parce que li c'est un président illégitime et qui pas constitutionnel. Me rappelle que nous déclarer Jovenel Moïse pas capable faire référendum puisque li pral intégrer tout ça qui bon pour lui et déclarer tête li président à vie. Me rappelle c'est qualité prétexte ça yo nous t'a marché dans toute radio toute télévision nous t'a bail pour peuple patal voter référendum 27 juin 2021 et malgré tout travail qui était en fait sur référendum non eh bien Jovenel Moïse était obligé de ralentir jusqu'à ce que quelques jours plus tard yo arrivé assassiné. Je ne jodi à la. Parlez-moi, qui côté parlement yé exactement? Non, dis-moi qui bon parlement yé pour capable koné, afin pour nous gérer question référendum constitutionnel, ça t'a parlé de li. Parlez-moi, qui côté exactement nous gagne légitimité pour nous faire référendum en de pays d'Haïti? Et expliquez-moi qui je que nous pral procéder à référendum si là. Puisque, yon constitutionnaliste nous gagne, li en bas men nou. Mais l'autre bandiga en bas men nou. Nous capable manipuler, nous capable faire ça nous vle avec. Parce que, ouais, gon niveau moun accepte mette tête li, la capable accepte de pot bagay. Depuis le maniga accepte pour rentrer comme président dans le conseil transition, ça, pas de yon maniga pas fait pour trahir peuple encore. La fait toute sa jouen, carrière politique li fini, pas de espoir encore. Une femme qui est si brillante, une femme si intelligente, une femme qui a tant de potentiel. Mais qui ça, la prémette nous, journée jodie là. Donc oui, nous gagnons tout quand nous sommes nous pour nous capables de changer de destin pays d'Haïti. Et depuis quelques mois, vrai, moi, n'a changé de destin. Pas de l'argent. Situation plus compliquée. Police a mouru plus. Mais c'est me rappeler 5 policiers qui mourent dans le village de Dieu. Dans une opération, il y a mené. Jovenel Moïse, tu as droit au courant de l'opération. Mais Jovenel Moïse, pas gagné en prise sous la police nationale d'Haïti. Chef la police, là, c'était Rockefeller Vincent. Rappelez-nous, oui. Chef la police, là, c'était Rockefeller Vincent. Il bat l'autre monde. Et Léon Charles, c'est DG. L'autre chef la police là, qui premier ministre qui était là à l'époque, voyons voir. Et Claude Joseph passé deux fois en ministre AI du pays. Qui ministre qui était là? En tout cas, oui. C'était Moun Sayo. Ah oui. C'était Joseph Jout. C'est Moun Sao qui chef la police là. Mais nous connaissons qui ça nous fait? Nous parlons sous de Rockefeller Vincent. Nous parlons sous de Joseph Jout. Nous rassemblons toute chale la net en général. Nous plein. Nous la guerre sous de Jovenel Moïse. Comme si c'est Jovenel Moïse qui t'a dirigé l'opération. De janvier à avril 2023, dis-moi combien de policiers qui tombent en bas balle bandit. Plus passé 20 policiers mourir. Dans moins de 4 mois, en bas bal bandit. Donc je dis à la, tout va bien dans ce pays, pas vrai? Tout va bien dans ce pays. Mais nous malhonnêtes en pile. Nous malhonnêtes en pile. Donc mesdames et messieurs, il était vraiment important pour nous être capable de faire récapitulation ça pour nous afin pour nous capable de comprendre journée aujourd'hui pour nous capable de commencer à garder un autre jet qualité discours que président Jovenel Moïse même l'état fait. Puis devant nous gagner Pierre Espérance qui bénéficiait d'un soutien total capital, d'un soutien pardon, total capital de principales organisations qui a défendu droit moun en pays d'Haïti.
Dans une note qui sortit dans la date 20 avril 2023, plateforme Organisation haïtienne droits humains, POHDH, avec Ensemble contre la corruption, ECC, dénoncer mesures, interdiction d'entrée en République dominicaine contre Pierre Espérance par le président Luis Abinader. Eh bien, mesdames et messieurs, selon POHDH, ensemble avec ECC, yon pas écarté idée que décision ça t'a visé pour renforcer gouvernement de facto PM Ariel Henry, ensemble avec Alielio, nan offensive pour yon capable organiser élection à tout prix, nan yon contexte de déficit de légitimité politique ak insécurité généralisée côté liberté publique, pas capable respecter yo constamment à violer. Bien avant nous dit quoi que ce soit sous qualité note ça qui soutient mesdames et messieurs. N'arme connait qualité déclaration ça yo. Est-ce que c'est menti que yo y pas la veille. International doit moun pe espérancier parce que monsieur gon pouvoir nan mel. L'écraser la justice, l'écraser tout ce que. Oh, combat important, m'a dit nous là, m'a dit. Il y a plus passé 50 policiers qui en bas, mes amis. Sous la pénitentiaire nationale, qui a coupé dans la prison, sous rapport et expérience. Je demande pour que et direction, inspection générale, ouvre une enquête pour voir est-ce qu'effectivement, il y a des policiers qui subissent abus de Pierre Espérance. D'après l'information que nous avons pendant la semaine, il y a plus de 50 policiers qui ont payé sans pas faire rien parce que le baron du droit des droits humains en Haïti, Big Boss, la justice, CSPJ et même DCPJ à un certain temps, c'est Pierre Espérance, depuis du mourir ou à mourir, depuis du aller en prison, aller en prison. Donc, nous avons exemple, toute déclaration que Shelson fait semaine ça. Donc, nous avons l'inspection générale. Au moins, là, fait une intervention. Et nous disons que l'espérance perdu visage li au niveau de l'ambassade américaine, et nous avons cherché et l'école, Gary Boscol sous l'ambassade Canada qui était rencontré chez Alson. Non, ça va pas étonner personne. Ça va pas étonner personne que Pierre Espérance. Au contraire, il était de mettre des missions avec plus, by tout chef d'accusation, il n'y a pas étonner personne. Que Pierre Espérance non lisse, côté que yon mette nèg kap alimenté gang, et comme de dou que équipe Pierre Espérance non, c'est yon vend à barbecue, à sa devoisie, sa barbecue te dit, Fernando Duclair, et ça vous dit, et m'gon député qui dit que tout les âmes qui va sous Belé, et dans base café du fait, et Pierre Espérance qui va yon. Mais comment monsieur fonctionne? La batou et puis la prié. Et pratique criminelle même, oui. La foi abu et lui kap plein bout. Coupe Espérance bien fait action malhonnête, et bien l'accuser l'autre monde qui a fait l'injustice lui-même. Donc, dans ce sens, nous disons que je suis étonné que non, monsieur, non, n'importe lisse. Donc, c'est clair que nous-mêmes, depuis presque 2 ans, 3 ans, nous avons mis enquête sur Espérance. Moi, je suis dans le kidnapping, moi, échappé en bas 7 attentats sur Espérance. Oui. Nous créons ça, nous là, oui. 7 attentats. Et machine bien Espérance impliquée dans l'enlèvement, monde qui m'a nous à l'esprit là, à toute plaque machine. Qu'est-ce que monsieur, est-ce que tu connais ça? Qui ça qui explique des CPJ? Eh bien, nous-mêmes, c'est DCPJ. DCPJ est en demande 3 fois. Il est en révolu plusieurs fois. Moi-même, s'il veut étendre, il n'y a pas de crime avec explication, objet, invitation. Parce que nous, c'est victimes de Pierre Espérance. À tous les niveaux, même vie, nous devons enlever. Et nous dit encore, le plus grand criminel, kidnappeur, Haïti connaît, c'est 25 dernières années, parce que nous avons un kidnapping dans le temps. C'est Pierre Espérance que lié. Et ça clair, information disponible. DCPJ va gagner, il manque encore. Pour réagir dans ce sens-là. Comme c'est Blanc qui commence à ouvrir la porte pour lui, il n'a pas attendu que lui-même, il va continuer à ouvrir la fenêtre pour bailler plus de détails sur l'affaire Gang 4x4. Monsieur, tellement de pouvoir. Moi, je dis, Lydie Chelson, pas traîner dans la saleté en bas, je vais tout son besoin pour amener dans la saleté. Qui connaît la saleté? Tribunal premier instant de Port-au-Prince. Oh, c'est sous Yolchita. C'est au qui a fait ma grouille pour lui, pour tenter de dossier pour lui, il a traité juste ça de saleté. Donc, si on monde dit saleté, pas même dans saleté ça, mais tout le monde qui est en bas est des salopes. Voilà que des gens qui étudient à l'école, Pierre Espérance pas qu'on lit du tout. Et ça, ça me dit là, Chelson, ça l'on vérifie. Chelson dit, il passe M. examen dans la conversation la veille. Chelson, ça l'on passé Pierre Espérance examen pour un niveau académique Pierre Espérance. Chelson dit, c'est un nul.
sont nuls de façon absolue. Donc ça veut dire que voilà que la traité jugio espace jugio de saloperie. Donc dans ce sens ça nous dit que nous-mêmes nous pas caler devant monde ça que Pierre Espérance gain contrôle et puis la manquer au dégâts encore. Donc journée aujourd'hui là faut lumière faite et nous dit clair que nous pas camper, nous pas prêter dans route jusqu'au bout que nous parler faut gain explication. Comme c'est gouvernement mandat journée Louisa. Non, commissaire. Oh, Paul Héron dit là. Nous tellement bay non zamim. Ou après bon, voit pas tellement bon bon grip. Tellement bay non mes correspondances que me voyez bay juge prophète. Dans dans par la main non là. Parce que non le pas dans mandat, non. Et de façon implicite non là parce que c'est qui les bay la fête. L'on regarde pour être date mandat à fait, à date monsieur entré, à date sorti, il tombe 3 mois après monsieur fin commissaire gouvernement, mandat à fait. Nous ne pouvons pas nous cacher ça, nous dit ça. Et nous dit que c'est le point de départ de l'enquête sur Jovenel Moïse. Et tout ça, Pierre Espérance dit, mot parle pour dire la donne. Et nous-mêmes nous dit que. Et puis, deuxième bagage que nous faisons, nous ne cachons pas rien, ouais ça. Ça sont requêtes que nous faisons à juge Walter Voltaire sous situation. Et nous dit que nous protégeons nous, parti. Civil, dans le dossier, la mort, Jovenel Moïse. Dès que vous commencez par mandat, n'a pas remonté, son spaghetti l'a tourné, n'a pas remonté tout le monde, ainsi de suite. Et songez bien, nous tous, que le plus grand chef de gang en Haïti. Ok. Nous avons même parlé de quantité sortie que fait Daimon Chéri fait dans la conférence de presse pour capable prouver que Pierre Espérance gagne un groupe gang 4x4 que l'a dirigé tout bon vrai. Nous ne pouvons même parler de déclaration Chelson Sano qui fait plus passer 10 ans en prison parce que Pierre Espérance te mandé pour faire ça en quelque sorte. Nous ne pouvons même parler de tout faux rapport que RNDDH fait juste parce qu'elle te gondant contre pouvoir président Jovenel Moïse. Nous ne pouvons même parler de tout ça. Kounya là, dis-moi comment une organisation qui a combattu la corruption, une organisation qui a défendu le droit moun, capable de faire camper pour le porter toute déclaration sa yo contre le gouvernement pour soulager conscience. Yon lot qui a fait délit en de pays ya. Dim ki kote exactement conscience nous cache en de pays d'Haïti. Parce que n'a reme koné, n'a reme jouen kote conscience nous cache ya. Parce que c'est vraiment important, mesdames et messieurs. Je jodi à la, Pierre Espérance a essayé chercher yon façon pour li rete nan mémoire moun yo. La créer yon façon pour li rete dans cerveau nous là. OK? Parce que li mette el tan kou son ti se, yon moun ki pa konnen rien, ki sa Pierre Espérance kon fè pour déranger moun. Pierre Espérance se rapport l'ap dressé d'ailleurs, Pierre Espérance pa défendre droit moun nan de pays ya, yon met violé, yon met assassiné, yon met kidnappé, yon met fè violence physique, verbale, ça pa intéressé organisation ki ap défendre droit moun nan de pays d'Haïti. C'est ça que fait toujours poser tête pour question, est-ce que gen yon organisation toute bon vrai ki ap défendre droit moun nan pays ça? Puisque jusqu'à présent, moi, je ne peux pas croiser ensemble avec lui. Qu'il était POHDH, SCC, il était RNDDH, FJKL, l'autre paquet de ça, on me donne qui a défendu droit moun, c'est droit qui est exactement, n'a pas défendu là. Droit moun canarin, yo? Monsieur, hier soir, moun douya pas dormi à Katouche. Belle coup dans Cité Soleil a frappé. La plaine prend pâle. Et puis nous disons que Gombaga qui a géré dans le pays ça, nous disons que des organisations qui a défendu droit moun, nous braloué qui j'en au braille fait des comptes de mort qui fait canarin yo. Nous braloué si dit tande, qui quantité moun qui mourit canarin. Bon m'di nous retan nous braloué si dit tande. Parce que yo même, yo pa soute rien pour y aller vérifier. Yo pa konn détail ça yo. Yo seulement relé yon moun ki kanaran yo konnen. Eh, ti Pierre, ça k passé. Combien moun ki mouri kanaran? Ah, m'tande son 10 ki mouri. Et mais OK pa gen danger non, m'a mette 8 ou du moins OK pa gen danger non, m'a mette 20 ki mouri. Mais jamais descendre souterrain. Fè yon étude, analyser. Marcher vers famille yo. Questionner
pour nous connaître qui quantité moun qui mouri, qui je nous pral aider moun sa yo même yo rete en vie. Non mais moi l'autre yo. Qui je nous pral défendre droit. Yo famille qui perdit trois petites un seul coup. Qui je exactement nous pral procéder. Li vraiment important pour travail ça dit même li capable fait. Et bien mesdames et messieurs, organisation ça yo pote soutien yo by Pierre Espérance sans yo pas retirer yon moso parce que Pierre Espérance c'est yon sep. Résidence délégué départemental de l'Ouest Pierre Gary Bernadotte a été l'objet de yon attaque armée hier vendredi 21 avril 2023 à Diègue, Pétionville, mesdames et messieurs. Assaut a été mené par une vingtaine de personnes. Femmes mêlées à garçons qui ont gros âme fan foi dans meyo, tap débarqué la caille délégué département de ville. Et bien mesdames et messieurs, selon délégué, assaillants ont été plus passé 20 et ont été vraiment armés. Gagné qui te porté uniforme la police nationale d'Haïti. Yo tiré en pile sur la caille moi, mais bien heureusement, moi pas gagné rien. Ces déclarations Pierre Gary Bernadotte, mesdames et messieurs qui c'est délégué départemental de l'Ouest, qui donc c'est passé la caille Don Kato qui t'a gagné une attaque à main armée hier 21 avril 2023 mais aussi la gal délégué Endolé. T'es gagné qui t'est habillé avec uniforme la police. Donc ti monsieur yo gen uniforme la police nan men yo. Ou saisi tande, ou passe sous Matissan, ou un policier kanpo ou. Ou konn ki sak fwaye fò konnen pa un policier, kalite led ki gen sou visage li. Kalite sin assassin ki écrit sou visage li. Et puis le voye pyo ou. Oh pardon. Le voye jan pa en bas. Et pou gade, ou gon sapat nan pied ki sol, ki déprimé, pied loin, pied pouce et laisse ou pral remarquer que ou pas en face yon policier, mais ou en face yon bandi qui habillé ak uniforme la police. Mesdames et messieurs, situation compliquée dans le pays d'Haïti. Pas oublier, toujours prendre soin de tête nous, parce que c'est vraiment important. Nous bon rendez-vous pour la prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis. Les affaires la clau ici. Qui m'ont dit si par une équilibre? Je sens qu'on est yon sabote. Oh la la, oh la la, yon mouay. N'est yon méchant, oui, soudé ça, monsieur. Oh la la, oh la la, yon mouay. Si vous avez besoin de côté, n'est yon criminaliste de son Haïti. N'est yon déquefré, monsieur, tout yon président. Oh shit.
protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.